Allez, vous le savez, tous les après-midi, on répond à vos questions. Vous pouvez venir en plateau, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez nous envoyer du courrier, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est Laure qui a une question pour l'équipe. Bonjour à toute l'équipe, Laure, 26 ans. Donc moi, j'ai une question à vous poser parce que avec mon compagnon, nous venons de nous redonner une nouvelle chance. Et moi, j'ai peur que notre relation échoue à nouveau. Du coup, ma question est la suivante. Comment appréhender au mieux l'avenir et vivre pleinement ma relation avec lui? Voilà. Donc, je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Laure, de nous avoir envoyé cette question. On n'a pas beaucoup d'éléments, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté et sur quelle base il y a eu, à un moment donné, un problème. Mais on va répondre quand même à votre question, vous donner un début de réponse, en tout cas. Bah oui, donc, vous le disiez avec beaucoup de lucidité, même cause, mêmes effets. Donc, la première question à se poser, en tout cas, à elle-même, c'est pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait que la relation a cessé qu'elle en parle avec son compagnon de façon très très claire. Et c'est la seule manière, à mon avis, d'éviter que les mêmes... De reproduire. Les mêmes faits, les mêmes événements... Mais quelquefois, même si on identifie, on reproduit quand même. Hein. Oui, oh bah oui, mais, sinon, ils pourront s'arrêter dessus. Voilà, ils pourront s'arrêter dessus parce qu'une fois que ça a été verbalisé, on ne l'oublie pas. Donc, si jamais ça se reproduit, ils vont se dire « Ah oui, mais tu vois, c'est pour ça que... » Et ils y feront attention la fois d'après. Bon, voilà. Tout simplement. Ouais. Bah, je crois que... Et puis, il faut aussi se donner, je pense, éventuellement un but comme un projet, comme un n'importe quoi, préparer ensemble un voyage. Et un truc qui marche bien, c'est de refaire le parcours amoureux du début. Moi, ça m'est arrivé, perso. C'est-à-dire ? On a failli se séparer, puis on s'est remis. Et finalement, on s'est refait le voyage, le plus beau voyage qu'on avait fait. Là où exactement. Vous êtes embrassés. Trop mignon. Et ça s'est fini à Venise et tout ça. Et là, j'ai dit, ça peut remarcher à nouveau, puisque c'était reparti comme en 14, quoi. C'est bien de refaire ces... Si tu t'es rencontré dans un train Paris-Clermont-Ferrand. C'est pareil. Ça sera magique aussi. Non, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours un mythe fondateur au couple, voilà. Et retrouver, il y a des raisons pourquoi est-ce qu'on est tombé amoureux. Et recommencer comme ça, les tout premiers débuts, c'est ce qui permet de se dire pourquoi est-ce qu'on est tombé amoureux l'un de l'autre finalement, et de retrouver cet élan. C'est un début de piste en tout cas. Ouais. Laure, merci beaucoup de nous avoir envoyé votre question.